Nityanandeshwara samarambham Nityanandeshwari madhyamam Asmadacharya paryantam Vande guru paramparam. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, srimahans, mahans, tanedars, kotaris, sitting with us through Nityananda TV, Sadhana TV and two-way video conferencing, having Naina Diksha. Sitting with us through two-way video conferencing, having Naina Diksha, Vancouver, Bhubaneswar, Calgary, Amarnath, Houston, Kalahasti, Guadalupe, Rameshwaram, Surrey, Canada, Oklahoma, Somanatham, Hyderabad, Guptakashi, Los Angeles, Toronto, Kailasam, Nityananda University, Los Angeles, Los Angeles, Hollywood, San Jose, Madurai, Seattle, Chidambaram, Pobrad, Slovakia, Oman, Sivagangai, there are some more cities, Hong Kong, Sirgari, Colorado Springs, USA. I welcome all of you with my love and respect. Je vous accueille tous avec amour et respect. Today, aujourd'hui, the 10th day of Dasara, Navaratri can be only 9 days. It cannot be 10th day. Aujourd'hui, so, c'est le 10e jour. C'est le 10e jour du Dasara. Parce que Navaratri ne peut durer que 9 jours. Et c'est le 8e jour du Brahmotsavam de Venkateshvara. Et Venkateshvara nous fait la grâce d'apparaître sur un cheval doré. Et la Devi apparaît avec Sarasvati et Lakshmi. Elle nous apparaît avec tous les joyaux qu'elle est censée avoir de la tête aux pieds. All the jewels, it's called Sarvalankara. On appelle cela Sarvalankara. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de belles cérémonies au temple. Navaratri. Festivals and ceremonies and donc, pujas. Les festivals de Navaratri, les pujas. Nous avons une puja qui commence à 5h30 et puis une autre cérémonie pour Durga Devi et puis à 10h Arati pour Mahadevi et à 11h45 Mahabhoga pour Mahadevi et à 12h à minuit donc le Chanti Puja commence dans la nuit. Sorry, evening. Non. Alors, tout d'abord, à 4h30, il y a des pujas très importantes. Et les enfants, garçons et filles, on leur offre la puja parce qu'ils sont des représentants de Bhairava et de Durga. Donc ce sont eux qui reçoivent la puja. Satya puja. Today, Chandi part. Continuously, all these pujas will be happening. Tous ces pujas vont avoir lieu continuellement et de welcome all of you to tune into et ce sera en direct sur Nityananda TV. Et je vous recommande de vous connecter sur Nityananda TV et sur Nityananda tout court, directement.
recevons maintenant la grâce de Venkateshvara et de Nityananda Devi. Today we also have an important festival, Rathotsava of Venkateshwara. Venkateshwara Rathotsava. Nous avons également un autre festival important pour Venkateshwara. Venkateshwara, ça fait partie du Brahmotsava. Des tas de choses merveilleuses aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais parler de deux Advaita Satya importante, vérité de Advaita. Écoutez bien. Go into the depths of completion. Allez dans les profondeurs de la completion. De plus en plus profond. You will discover. Et vous allez découvrir que vous êtes votre propre ami et ennemi, que vous êtes votre Dieu et votre démon. Écoutez bien. Allez dans les profondeurs de la complétion. When you come to the subtle layers of the deepest layers of your incompletions. Quand vous arrivez dans les couches les plus profondes et les plus subtiles de votre complétion, c'est presque comme, écoutez, des mouvements très subtils à l'intérieur de la Terre provoquent des tremblements de terre énormes et des tsunamis. Mais la cause racine, c'est simplement des choses très subtiles au niveau profond de la Terre. Si vous entrez au plus profond de votre système, de votre être, et que vous fassiez de plus en plus de complétion, vous aussi, vous allez toucher l'espace qui est la source des tremblements de terre et des tsunamis. Et dans cet espace, vous allez réaliser que vous êtes votre meilleur ami si vous faites des complétions, et que vous êtes votre pire ennemi si vous ne vous occupez pas de vous. Vous êtes votre Dieu si vous faites la complétion avec vous-même, et vous êtes votre ennemi si vous ne faites pas cette complétion avec vous-même. Vous êtes votre démon si vous ne faites pas la complétion avec vous-même. Plus vous faites de la compassion avec vous-même, je ne vous fais pas de fausses promesses. Vous ferez l'expérience de tellement de pouvoirs miraculeux. Tellement d'expressions miraculeuses, mais si vous ne faites pas la compassion avec vous-même, on n'a rien de temps. Avant même de vous en apercevoir, de le réaliser, vous serez tellement enfoncé que vous n'aurez attiré que des accidents. Et votre vie ne sera qu'une longue chaîne, une longue suite d'accidents. Si vous voulez que votre vie soit une longue chaîne de miracles, ou est-ce que vous voulez qu'elle soit une longue chaîne d'accidents? Choisissez, décidez.
Que vous vouliez que votre vie soit une longue suite d'accidents, ou qu'elle soit une longue chaîne de miracles, choisissez. Et je vous le dis, après un mois de complétion régulière, vous vous rendrez compte combien vous-même chérissez tant de choses dont vous voulez vous débarrasser. Comment vous-même célébrez votre ignorance? Trouvez la raison pour laquelle vous célébrez votre ignorance, votre irresponsabilité. Votre colère envers votre patron. Vous voulez juste faire l'opposé de ce que vous demande votre patron. Votre patron vous demande d'être responsable. Eh bien, je vais être irresponsable et je vais le défier. On va voir ce qu'il va faire. Il ne peut rien me forcer. Il ne peut pas me forcer à faire quoi que ce soit. C'est avec cette décision que vous détruisez vos possibilités. Ce n'est pas lui qui va être le perdant. Vous êtes stupide, c'est vous qui buvez le poison et vous attendez à ce que soit le patron qui meure. Votre colère contre votre père. Le fait que vous décidez que jamais vous ne prendrez de responsabilité ni ne vous impliquerez dans la vie. Votre colère envers votre mère. Regardez en vous toutes ces incomplétudes tellement subtiles. Et je vous le dis, les croyances les plus stupides qu'un être humain puisse avoir, c'est de croire qu'il peut être violenté ou violé. Croire que vous puissiez être violenté, c'est la croyance la plus stupide que vous puissiez avoir. On ne peut pas vous violenter ni psychologiquement, ni physiquement, ni au niveau de l'être. Jamais vous ne pouvez être violenté. On ne peut jamais effectuer de violence envers vous. Mais vos perceptions erronées à votre sujet seront toujours violées. Si vous pensez que vous êtes votre corps, que vous n'êtes qu'un corps, vous serez violé, ne serait-ce que par le regard de quelqu'un. Et si vous pensez n'être que le mental, vous serez violenté par ne serait-ce qu'un mot de l'autre. Et si vous pensez n'être que des émotions, vous vous sentirez violenté par quelqu'un qui ne vous respecte pas tel que vous le souhaitez. Quelle que soit la chose qui fait que vous pouvez être violenté, qui vous fait croire que vous pouvez être violenté, renoncez-y le plus vite possible. Votre vie est éternelle. Vous ne pouvez pas être coupé par les armes, ni brûlé par le feu, ni mouillé par l'eau, ni vous ne pouvez être desséché par l'air. Vous êtes la vie éternelle. Drop all the ideas. Complete with all the ideas. Laissez tomber toutes les idées incomplète qui vous disent que vous pouvez être violenté. Vous ne pouvez pas l'être. Vous comprenez? Croire que l'on puisse vous violenter, c'est la pire violence que vous puissiez faire envers vous. Vous ne pouvez être violé ni violenté dans le corps, le mental, l'être, les émotions, à aucun niveau. Tout ce qui vous fait croire que vous pouvez être violenté, c'est ça, la violence.
Si votre, votre corps vous fait croire que vous pouvez être violenté, eh bien, votre corps, avec ruse, vous demande de croire que vous êtes ce corps, de sorte que vous, vous gaspillerez toute votre vie à le protéger. Si votre mental, au lieu de vous demander un abri, vous fait croire que vous êtes ce mental et vous êtes piégé par cette stupidité et vous essayez d'éviter d'être violenté, et alors que c'est votre mental lui-même qui vous a violenté. Et si votre corps et votre mental vous disent « Je suis votre serviteur », permettez que je ne sois jamais violenté, protégez-moi, alors vous leur donnez, vous leur accordez l'abaya. Au moins, si vous leur dites « Ok, je vous protégerai et j'éviterai d'être violenté, je ne le serai pas, au moins, c'est une bonne décision. » Mais votre corps et votre mental vont croire que vous êtes cela. Et toute votre vie, vous courez pour essayer de ne pas être violenté. Et à la fin, vous vous rendrez compte que vous êtes en fait violenté par ceux que vous protégez sans cesse dans la peur d'être violenté. Et ce sont eux qui vous ont violenté. Et à la fin, lorsque la vie vous est enlevée, vous vous rendez compte, oh mon Dieu, j'étais en train de protéger ce corps et ce mental en pensant qu'il ne fallait absolument pas que je sois violenté, et ce sont eux qui m'ont violenté. Comprenez bien, la pire des croyances, en fait, c'est la révélation du samadhi de Kalabhairava que j'ai eu tôt ce matin. Hier soir, on m'a dit que ce matin, il allait avoir la Pada Puja. Donc, chaque fois qu'il y a la Pada Puja, je n'étire pas mon corps totalement, je ne m'étends pas totalement, j'étire juste les jambes, de sorte que je peux me réveiller le matin tôt. Donc, aux alentours de 3h, 3h30, je suis sorti du samadhi et j'étais assis, tranquille. Je peux dire que j'étais plus en samadhi et je ne bougeais pas le corps. J'étais dans un espace, dans l'espace du Sagaja Samadhi. Je ne bougeais pas. Et je contemplais l'idée. Quelle est la croyance qui fait que les êtres humains souffrent de la même incomplétude? Quelle est la vérité qui pourrait sauver les êtres humains de ces souffrances et les mettre dans l'extase? Donc j'étais en train de me souvenir qu'il fallait que j'énergise certaines des lingas dans le temple et des pierres semi-précieuses. Des lingas en pierres semi-précieuses, il fallait que je les énergétise. J'avais noté tout cela dans mes souvenirs. Dès que je sors de samadhi, je me connecte à tout cela et je fais le processus d'énergisation. Et donc, durant ce processus, si je passe quelques idées, eh bien cela sera également programmé dans la déité. Et donc cette déité sera l'emblème, l'idéal, la représentation de cette idée. Et pendant que j'étais donc en train de faire cette énergétisation, je me disais quelle serait l'idée avec laquelle je devrais faire le pranapratishta de ce lingam, de sorte que à jamais l'humanité soit bénie et dans la complétude et fasse l'expérience de l'extase éternelle. Je suis en train d'énergétiser des lingams avec trois chakras et je vais les donner tous ces lingams aux mahants authentiques qui pourront donc les conserver
et faire la puja tous les jours, et comme ça, partout où ils iront, ils pourront emmener ces lingam avec eux et faire la puja dans différents endroits. Il y a plusieurs méthodes d'énergétisation. Vous pouvez énergétiser quelque chose avec de la pure conscience, ou vous pouvez énergétiser une idée pour une idée spécifique, ou totalement avec la conscience, et cette idée serait la première des priorités. Donc habituellement, ce que je fais, j'énergétise avec une pleine conscience et j'ajoute deux ou trois concepts en tant que priorité. Donc je me disais, quelle devrait être l'idée? Quelle devrait être l'énergie? Si une déité est énergisée avec une idée spécifique, tous ceux qui entrent dans l'espace de cette déité et s'en éloignent, en quelques heures, d'une façon ou d'une autre, cette idée pénètre dans leur cerveau. Ça vient de l'air et ils vont commencer à contempler cette idée. La graine sera mise dans leur système. Donc je voulais choisir une idée. J'étais donc assis. Bien sûr, la source de toutes les idées, c'est le grand Kalabhairava. Donc j'étais assis avec lui. En fait, tous ces mots que je les prononce de façon duelle pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas de dualité. C'était même une unité, une harmonie totale. Donc cette idée a surgi. Cette idée très précisément. Si vous mettez fin à cette incomplétude, vous êtes Mahadeva, vous avez atteint l'espace de Nityanandoham, Shivoham. Rien qu'avec cette idée, il faut donc faire la complétion avec l'idée que vous puissiez être violenté. Ou violé. Vous ne pouvez pas être violé. Il n'y a rien en vous qui pourrait être violé ou violenté. Si quoi que ce soit vous dit que vous pouvez être violenté, rejetez cette idée parce que c'est celle-ci qui vous violente. Si votre corps vous fait croire que vous pouvez être violé, lâchez cette idée. Dites à cette idée, lâche-moi, surtout ne vous suicidez pas. Non, non, ne suicidez pas. Mais dites à votre corps, lâche-moi, sors de là. Si tu vas me dire que je peux être violenté, c'est toi qui es en train de me violer. Si vos émotions vous disent que vous pouvez être violenté, dites à vos émotions de vous lâcher. Si vous me dites que je peux être violenté, c'est vous qui le faites. Alors, fichez le camp. Si votre mental vous dit, alors là, je peux être violenté, dites à votre mental, sors de là. Lâche-moi. Si tu me dis que je peux être violenté, c'est toi qui commences à me violenter. Tous ceux qui vous font croire que vous pouvez être violenté, à tout cela, dites-leur de quitter votre vie. De s'en aller. Vous ne pouvez jamais être violenté. Tant que vous accrochez à ces idées stupides qui vous font croire que vous pouvez être violenté, n'importe quoi va vous violenter. Le moindre brin d'herbe va vous piquer et vous serez blessé et vous n'arriverez jamais à vous en guérir et puis même à vouloir vous amputez et vous en mourrez. Ne croyez pas que je suis en train d'inventer des choses. Tant que vous pensez que vous pouvez être violenté, vous n'avez pas besoin d'une arme dangereuse pour vous faire du mal. Vous n'êtes pas si important que ça. La moindre petite herbe peut vous faire ce mal-là. Ah,
all those deities which I am energizing now are toutes les déités que j'énergétise maintenant sont totalement imbibées de cette pure conscience. Et cette idée est la première des priorités. Toute personne qui vient dans l'espace respiratoire de cette déité et s'en éloigne va tout d'un coup réaliser qu'elle ne pourra jamais être violentée. Tout ce qui me dit que je peux être violée ne fait pas partie de moi. Comprenez bien. I wanted this to be a lesson. Je veux que cela soit une leçon. For all my disciples. Pour tous mes disciples. And Gurukul kids. Et pour les enfants de la Gurukul. Note down in your. Notez dans book votre livre du cœur. And today and tomorrow. Aujourd'hui et demain. Till tomorrow evening. Tomorrow jusqu'à demain soir. Demain soir on a l'initiation au Krama Brahmacharya. Donc d'ici demain soir, il n'y aura pas d'initiation au sannyas, uniquement au brahmacharya. Donc, demain soir, vous devriez tous être dans la complétion par rapport à toutes les incomplétudes qui vous font croire que vous pouvez être violenté. Il faut que demain soir, vous soyez très clair que vous ne pouvez jamais être violenté. Je vous le dis. Kalabhairava is eternal. Kalabhairava. Just like you change your dress, est éternel. You can change your body. De même que vous pouvez changer de vêtements, vous pouvez changer de corps. Even if you don't know the law is law only for you. Même si vous ne savez pas good news que c'est la loi, c'est quand même la loi pour vous. Whether you believe it or la bonne not, nouvelle est news, que you can vous y croyez eternal, you can change, ou non, grow your body as you la want. Vie est éternelle, vous pouvez changer de corps quand vous le voulez. Cette nouvelle vous est donnée. La meilleure des nouvelles, c'est que même si vous n'y croyez pas, la loi s'applique également à vous. Même si vous ne croyez pas que votre vie est éternelle, votre vie est éternelle. La bonne nouvelle, c'est que d'une façon ou d'une autre, Kalabhairava fait en sorte que cette vérité atteigne vos oreilles, vos yeux. Vous avez une vie éternelle, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à perdre, rien qui puisse être violé ni violenté. Il n'y a rien en vous qui puisse être violé. Comme le dit la Bhagavad Gita, Sastran nainan dahati pavakaha nasainam kletayantyapo nasoshayati marutaha. Weapons cut it not, fire burns it not, water les it armes not, ne les coupent pas, le feu ne les brûle pas, l'eau ne le mouille pas et le vent ne la sèche pas. J'étais tellement heureux lorsque cette révélation s'est manifestée. C'est une chose dont souffre toute l'humanité. Je ne sais sur quel tour je devrais monter pour hurler. Et vous n'avez pas à souffrir, vous ne pouvez pas être violenté. Et même si vous n'y croyez pas, c'est la loi de la vie, c'est avec cela que vous allez être. La bonne nouvelle, c'est que vous l'entendez. Et même si vous n'y croyez pas, la meilleure des nouvelles, c'est que c'est ainsi que vous serez traité. Vous ne pouvez pas être violenté. Comprenez bien. Je vous le dis. Today and tomorrow. Aujourd'hui et demain, all the beliefs, toutes les croyances, incidents, les incidents you believe, qui ont fait que vous avez commencé à croire que vous pouviez être violé, violenté, et faites la complétion par rapport à tout ça. Je vous donne mes bénédictions, je vous soutiens tous dans cette complétion.
If you can physically come tomorrow evening, bring si all those patterns demain soir, drop them in the physiquement, toutes vos notes et jetez-les dans le feu. Abidadi, you physically can't come, at si least tomorrow after the Chandi Homa, au moins demain soir après le Chandi Homa, brûlez your patterns and the papers. Vous brûlez tous les papiers sur lesquels vous avez noté vos schémas et vos incomplétudes. Complétez ne serait-ce qu'avec cette croyance stupide que vous pouvez être violenté, violé. Et vous serez tellement libre. C'est comme vous aviez 200 vers qui vous rongeaient le cerveau constamment et tous ces vers ont été chassés et vous êtes tout neuf, libre, soulagé. Toutes les peurs inconnues, toutes les souffrances inconnues, toutes les tortures que vous vous imposez seront évacués. Vous ne pouvez pas être violé. Et je veux que tous les enfants de la Gurukul mettent cela en pratique. Une vérité. C'est que vous ne pouvez pas être violenté. Parce que même si votre frère ou quelqu'un vous donne une gifle, vous touche, vous prend votre stylo, vous commencez à croire que vous êtes violenté. Et cette idée d'être violenté devient un schéma très fort en vous. All our Gurukul kids should learn when you are a kid itself. Tant que vous êtes un enfant, you can never be violated. Vous, les petits de la Gurukul, vous ne pouvez pas être violé. Apprenez cela. Vous ne pouvez jamais être violenté. You are a pure consciousness. Vous êtes pure conscience. Understand. Vous comprenez? You can neither be cut nor vous pouvez be killed. Être ni coupé, ni tué, ni brûlé, ni asséché. Et je vous le dis, si vous créez tout votre système nerveux avec cette clarté, je ne peux jamais être violenté. Quel pouvoir vous allez rayonner? Quelle énergie vous allez rayonner? Je voudrais que tous nos disciples aillent sur les tours et les montagnes les plus hautes aux alentours et vous criez le plus fort possible au monde entier. Vous ne pouvez pas être violenté. Tout ce qui vous fait croire que vous pouvez l'être, c'est de la stupidité. J'ai vraiment le sentiment d'être comme d'être Ramanuja. C'est ce qu'il a fait un jour. Lorsqu'il a eu le déclic, quand il a eu le huitième nom de Mahavishnu, Bhagavan, quand ça s'est répété en lui et qu'il a fait l'expérience immédiate de l'éveil, il n'a pas pu se contrôler, il est allé sur la tour du temple. Et a dit, mon gourou m'a dit de ne livrer, de ne dévoiler ce mantra à qui que ce soit, mais je veux que tout le monde vienne. Si vous répétez ce mantra, vous avez immédiatement l'éveil et après vous allez à Vaikuntha. Ce qui m'arrive à moi, on s'en fiche. Ne vous inquiétez pas. Et je vous le dis, et je suis tellement sûr de ce que je vous dis. Non seulement je veux le proclamer et le créer à partir du plus haut building possible, de la plus haute tour, je veux que vous alliez vous aussi sur la tour la plus élevée, le bâtiment le plus élevé, et crier cela au monde entier. Vous ne pouvez pas être violenté. Tout ce qui vous fait croire que vous pouvez l'être, c'est de la stupidité.
Anything which makes you believe you can be violated is only violating you. C'est tout ce qui vous fait croire que vous pouvez être violenté, c'est cela qui vous viole et qui vous violente. Not only this way. Non seulement cela sera utile pour que nos enfants, pour qu'ils vivent une nouvelle vie, mais même si vous êtes vieux, ça va créer un nouveau mental, un nouveau corps. Ça va soigner, guérir, penser tout votre système. Je ne veux même pas parler du point de vue de l'utilité. Je veux simplement dire que c'est une vérité. C'est la loi de la vie, que vous le compreniez ou pas. Du fait que c'est venu de Kalabhairava. Je vous dis que la Kula Kundalini qui est en vous tous et qui est l'extension pure de Kalabhairava, c'est à travers la Kula Kundalini que vous, moi et Kalabhairava sommes connectés. Nous ne faisons qu'un dans cet espace de la Kula Kundalini, qui est la source de la vie en nous tous. Et c'est pourquoi je demande à la Kula Kundalini qui est présente dans tous les corps, éveillez-vous, éveille-toi à la réalité. Nous ne pouvons jamais être violentés. All the ideas, toutes les idées we started cherishing, we can qu'on a commencé à chérir, let completion happen, qu'on pouvait être violenté, que toutes ces idées soient complétées. La Kula Kundalini signifie que même pendant le sommeil, la Kundalini existe dans votre système. La Kundalini, c'est une Kundalini éveillée. La Kundalini, c'est la qui existe, Mula Kundalini, qu'elle soit éveillée ou endormie. Il se peut que des gens n'aient pas la Shakti Kundalini, mais la Kula Kundalini, tout le monde l'a. Parce que c'est à partir de cette source que la Kundalini s'éveille. La Kundalini est représentée comme un serpent réveillé. Et la Kula Kundalini, c'est un serpent endormi, qu'il soit endormi ou réveillé, il est là. La Kundalini est là. La vérité est que vous ne pouvez jamais être violenté, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement, ni psychologiquement, ni consciemment. Il n'y a pas d'homme, ni de femme, d'être humain, d'animal. Space of Advaita Satya. Advaita Anubhava. Dans le pur espace d'Advaita Satya, Advaita Anubhava Purana. Advaita Tejomaya. Rupa, Rupa, Virupa, Advaita Tejomaya. Beyond the form and formlessness. Au-delà de la forme et du sans-forme. So the first idea I wanted to convey. First satya I wanted. C'est la première idée que je voulais vous transmettre, la première satya que je voulais vous transmettre. Vous êtes votre meilleur ami et vous êtes également votre pire ennemi. Si vous faites la completion, vous êtes votre meilleur ami. Si vous ne le faites pas, vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes Dieu pour vous si vous faites la completion. Mais vous êtes un démon pour vous si vous ne le faites pas. Ça, c'est le premier satya. Et le second, le plus grand des satyas, le message d'aujourd'hui pour vous tous de la part de Kalabhairava directement, c'est que vous ne pouvez pas être violenté. Vous ne pouvez jamais être violenté. Aucune violence ne peut vous être imposée. Et tout ce qui vous fait croire que vous pouvez être violenté, ce n'est que de la superstition.
Tout ce qui vous fait croire que vous pouvez être violenté, c'est de l'athéisme. C'est de la stupidité. Lâchez tout ça. Débarrassez-vous-en. Je vous bénis tous. Et je vous demande, du moins je demande à Kalabhairava, de bénir chacun, de nous bénir tous, afin de rayonner ce grand satya, Advaita satya, qu'il n'est jamais possible d'être violenté. Ni violé. Et toutes les idées, les incomplétudes qui me disent que je peux être violenté, me faut les compléter et que la réalisation que je ne peux jamais être violenté soit à jamais la cognition source de nous tous, notre cognition source. Bless all of us. Que Kalabhairava nous bénisse tous afin que l'on vive cette grande expérience. Ne vous dites pas « Oh non, non, j'ai fait d'autres completions, il n'y a jamais rien qui fonctionne pour moi. » Chaque fois que vous faites de nouveaux processus, votre niveau de complétion augmente. On ne sait jamais. C'est peut-être aujourd'hui que ça va marcher à fond. Peut-être que vous allez passer à 51% et ça va basculer dans le bon sens. Ayez cette clarté, ce courage, cette confiance. Et faites la complétion. Faites l'expérience que vous ne pouvez jamais être violé, ni violenté. L'essence du satsang d'aujourd'hui est que je ne peux jamais être violenté sous quelque forme que ce soit, de quelque façon que ce soit. Je suis absolument intouchable, inattaquable, inatteignable. Rien ne peut me violenter. Et alors, la véritable non-violence va se manifester lorsque vous saurez que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas être violenté, parce que cela va vous donner la complétude la plus totale. Alors à ce moment-là, pourquoi violenterez-vous qui que ce soit? C'est la complétude totale. Et cela vous permet d'accorder l'espace de la complétude à tout le monde. Quand vous déclarez dans votre image intérieure que vous ne pouvez pas être violenté, votre image extérieure sera obligatoirement ou automatiquement « Je ne violenterai jamais personne ». Et l'image des autres, il ne va pas nous violenter. Et l'image des autres et de la vie, c'est que personne ne va jamais violenter qui que ce soit. Là-dessus, je vous bénis tous. Laissez-vous tous rayonner avec intégrité, authenticité, responsabilité, enrichissement, causing l'extase éternelle, Nityananda. Merci. Nityananda Dhyana Peetham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 080-2727-9999. www.nityananda.org. www.youtube.com/lifebliss foundation.